Mon portable a un problème. Il a plus de son. C'est la merde. Bref, je pars aujourd'hui. Je vais voir si je peux trouver un vêtement pour ma valise. Je crois que c'est de l'autre côté. Il commence à faire nuit. Enfin, il commence à faire nuit. Il fait nuit dehors. Il commence pas à faire nuit. Il fait nuit. Je suis plus rassurée, j'ai mis ça autour pour la reconnaître. Devrais-je mettre un petit bout de tissu, madras, en mode pour l'avoir d'un coup, je pense. Voilà, j'ai mis mon petit madras avec un joli petit nœud. Je profite de pouvoir me balader comme ça avec mon portable à vue, parce qu'en France c'est clair que je vais pas faire ça. Ici, j'ai laissé mes affaires là, et je suis partie chercher de l'argent tout là-bas. Et il n'y a pas de problème. Tu fais ça en France, tu retrouves rien du tout. Tu retrouves le chariot. Et encore, où est-ce que je vais? Ah, il faut que je continue. On est à J. Il faut que j'aille à K. Je vais voir si l'enregistrement a déjà commencé. Oh, Kata! Ça a commencé. Alors, je vais aller faire la queue. Je crois qu'il est 20h ou un truc comme ça. Du coup, je pense être en avance. Let's go! J'ai la peur de ma vie. À cause de mon billet, parce que je l'ai mis dans le sac et genre il était à la base, il était ici, genre entre ça et l'ordinateur, et je sais pas pourquoi je l'ai mis là, et quand j'ai ouvert le sac je l'ai pas vu. Oh mon Dieu, tout va bien maintenant. Alors, il faut qu'on explique ce genre de personnes. On n'a pas encore décollé et ils dorment déjà. On peut changer de vie s'il vous plaît, parce que moi je vais pas dormir jusqu'à ce que l'avion atterrisse en France. Ok? Et eux, on n'a pas encore décollé. On est en train de rouler, on n'a pas encore décollé. On n'est pas encore toujours. Ils dorment.
comme d'habitude au Qatar. Il y a une queue de ouf, il y a plein de monde. Je vais aller là. Et après, je vais essayer de me connecter à Internet. J'ai trouvé la Wi-Fi. Vu que j'ai une famille ingrate, donc j'ai essayé d'appeler mon papa, il n'a pas répondu. J'ai essayé d'appeler ma maman, elle n'a pas répondu. J'ai essayé d'appeler ma soeur, elle n'a pas répondu. Voilà. J'ai acheté ça, me disant que ça allait arriver jusqu'en France. C'est le dernier paquet, alors je ne suis pas sûre. À 2 heures de l'arrivée, j'en ai marre.